Qui dit raté dit bêtisier, alors pourquoi se priver de les publier? Donc en pleine conscience, tu vois, je me souvenais même plus que j'avais ça. Méditation en pleine conscience à lire. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'en avais entendu parler pour la première fois dans une interview de David Lynch. David Lynch, c'est encore tout un programme, je dois en parler depuis un petit moment déjà. Le magazine hors service, hors série, le magazine hors série, je l'ai pris un petit peu au pifomètre, parce qu'il nous parle de la pleine conscience. Ah merde, la pleine conscience, moi je pensais, genre je me suis trompée en fait, parce que quand j'ai pris ce magazine, je pensais qu'il parlait de... ouais, je pense, j'ai pas du tout pensé à ça, j'ai pensé, parce que je suis en plein en ce moment à tester un truc, c'est l'auto-hypnose en pleine conscience. Ouais, enfin voilà, et donc j'ai cru que ça parlait de ça, mais pas du tout, je l'ai dans le cul, Lulu. Putain, ça fait mal, là, c'est ça en fait, j'arrive pas à péter depuis plusieurs semaines. Ouais, ok, on aura compris que l'auto-hypnose en pleine conscience, c'est foutu, c'est mort, j'en parlerai pas. Par contre, on garde en mémoire que David Lynch fera partie d'un prochain sujet. Quand, j'en sais rien par contre.